Le micro est en place. Je crois que c'est bon. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, chers abonnés, non-abonnés, mais surtout bonjour à vous, chers passionnés d'histoire. Alors, une petite vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui, je vais vous informer de quelques changements qui vont avoir lieu dans la chaîne dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois. Alors, je vous rassure d'entrée, je vais continuer à publier des vidéos. Voilà, puisque j'adore l'histoire, vous aussi, c'est un peu pour ça que vous me suivez. Néanmoins, la publication des vidéos sera très réduite, pour une raison très simple. Il se trouve que dans ma vie personnelle, il va y avoir un grand changement. Je vais être papa pour la troisième fois. Autant vous dire que mon devoir de père va bien évidemment passer avant mon boulot IRL et surtout avant la chaîne. Cela dit, autant que faire se peut, je continuerai à publier des vidéos, mais la fréquence sera bien entendu réduite. Je profite aussi de la vidéo pour vous dire que j'ai décidé que lors des vacances scolaires, une pause sera observée dans la publication des vidéos. Bon, uniquement pour les vacances de 15 jours, les vacances d'été, je pense que je continuerai à publier. Même si je n'ai pas encore pris de décision ferme à ce sujet, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo d'annonce. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je profite aussi pour vous dire que, pour les minutes nécessaires, j'ai terminé l'écriture de script pour 20 prochaines semaines. Il y aura donc une vingtaine de vidéos qui sont écrites, il ne reste plus qu'à les tourner. Sur 20 semaines, vous aurez donc en continu ces vidéos sur les minutes nécessaires de l'historiographe. Ensuite, les histoires à la source reviendront bien sûr à la rentrée. Je pense que ce sont des vidéos assez importantes pour expliquer d'où proviennent certaines informations au niveau de l'histoire. Donc, les histoires à la source reviendront, pas tout de suite, à la rentrée, mais pas tout de suite, puisque à la rentrée, je vous réserve une vidéo un peu spéciale. Voilà, il s'agira d'une reproduction d'une scène d'un film d'histoire que j'apprécie énormément, mais que je ne peux pas mettre sur YouTube parce que forcément, droit d'auteur oblige, c'est extrêmement compliqué, extrêmement limité. Je vous demande donc pardon pour la retranscription de cette scène que je vais réaliser moi-même. N'ayant pas fait de théâtre depuis mes années collège, la qualité, sans doute, vous trouverez ça assez, assez ringard, mais... C'est une vidéo que j'ai toujours voulu faire depuis longtemps, notamment pour la scène en question et pour le film en question que vous verrez à la rentrée. Vous verrez bien ce dont il s'agit. De même, j'ai décidé de ne plus mettre les annonces à la fin des vidéos courtes, à savoir les vidéos de la minute nécessaire de l'historiographe. Vous n'aurez plus ce petit jingle de fin où je ferai l'annonce importante. D'une part parce qu'après les avoir visionnées, je me suis rendu compte que c'était pas du tout adapté au format. Déjà parce qu'après les avoir visionnées, c'est vrai... Je trouve ça plutôt casse-pied, voilà, surtout après une minute seulement de vidéo. Et ensuite parce que c'était pas pertinent au format. Voilà, ça serait un peu idiot de consacrer 10 secondes, 10-15 secondes pour dire abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un like, commentez, tout ça, après une minute de vidéo, voire moins. Voilà, sur présentation d'un personnage historique. Voilà, donc il n'y aura plus le jingle, mais il y aura seulement le petit message de fin qui sera accompagné. Voilà, rien de plus. Voilà, c'est tout ce que j'avais annoncé pour cette fois. Il y aura certainement d'autres vidéos comme ça où je ferai quelques annonces si jamais la situation l'exige. Je ne pense pas avoir d'autres choses à vous dire, si ce n'est encore une fois de vous remercier pour prendre la peine, prendre le temps de regarder mes vidéos. Remercier également ceux qui s'abonnent à la chaîne parce qu'ils sont intéressés par mon travail et sont donc intéressés à ce que je fais. Cela, je les remercie. Sur ce, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à laisser un avis, à vous abonner si vous êtes intéressé par la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui aura lieu donc à la rentrée, avec cette fameuse vidéo que je vous propose. En vous souhaitant donc une bonne journée à vous, portez-vous bien et à la prochaine !